Écoutez Koé, c'est bien le voir, c'est mieux. Et alors aujourd'hui j'ai que des doses, il n'y a pas de vanne de merde, hein. C'est que des doses qui se sont passées donc ce week-end en Belgique. Oh, merde, et numéro 9 ce soir, j'aimerais quand même avoir un droit de parole grâce à cette doses. Chronique, je l'ai. 9 doses. Alors pour Jeff et Pietre en Belgique, qui a priori, d'après eux, j'avais pas de doses, je vous laisse écouter et regarder en même temps. Alors pour ceux qui sont à la radio, vous allez avoir le son. On va le découvrir. Mon dieu. Voilà, Perrier Citron, évidemment. Mon dieu. C'est Perrier Citron. Oui, Perrier Citron, 8ème. Numéro 8, avant même que Jeff commence à boire, je voulais vous faire écouter ce que Jeff voulait qu'on fasse avec, disons, son business. Et je crois sincèrement, et je le pense vraiment, que t'es gay un peu, Jeff. Quoi ? Ouais. C'est pas épilé, je me suis pas épilé les couilles. Comment vous l'annoncez? Allez! Il veut que je prenne ma main pour me mettre dans son. Mais juste en dessous! Tu verras, ça fait un duvet! Tu sais, il y a un duvet sur mes couilles! Oh non, je dégoûte! Ah, il est plus, c'est bon. Tu précises, j'ai pas mis la main. Allez, numéro 7 à un moment. Et par contre, je vous le dis, je le tease, le numéro 1, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je savais pas que c'était arrivé dans cette équipe. Numéro 7, à un moment, j'ai vu Jeff en train de danser en boîte. Putain, lâche-moi, mec! Avec Loris et Enzo, on est parti le faire chier parce que bon, voilà, on s'ennuie un petit peu. On s'est dit, tiens, on va le faire chier aujourd'hui. Par contre, je vous laisse écouter comment Jeff s'énerve. Eh hey, bien, je vous préviens que c'est vous que j'encule. Hein. Non, en premier. Hein. Okay. J'ai pas compris. Hein. Mais regardez, vous arrêtez pas de m'embêter. Jeff. Non, mais quand je dis je t'encule, c'était dans le sens. Énervé, quoi. Sur numéro 6. Oui, alors, je dois vous avouer. Est-ce que tu peux rappeler à chaque fois que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé? L'abus d'alcool est donc dangereux pour la santé. Évitez d'en prendre la dignité. De finir la dignité. Surtout la dignité. C'est ça le vrai message. Numéro 6, je dois vous avouez que pour rentrer à l'hôtel c'était pas facile. Le chauffeur nous avait donc proposé de passer par la rue, a priori là où il y avait toutes les prostituées. Et dans la voiture il y a une seule personne qui a réagi. Écoutez. Vous voulez que je passe par la rue d'Arscott? C'est la rue des prostituées. Après des tickets restaurants. Est-ce que les prostituées de Bruxelles prennent les tickets restaurants? Eh bien, je n'avais pas ma carte bleue. Avec les tickets restaurants. En fait, c'est une spéciale Jeff. Non, c'est pas une spéciale Jeff. Ah merde. On y va. Numéro 5, avant de bouger en boîte, on s'est arrêté dans un petit bar sympa. Alors, il se trouve que ce soir-là, Pietre et Jeff, ils avaient des petits problèmes, disons, gastriques. Alors, on m'a demandé de, vas-y, Amir, passe-moi ton téléphone, j'ai des trucs à faire. Alors, vous allez donc entendre le P de Pietre. Oh non. Suivi de non, Jeff. Je suis désolé. Ah, c'est pas vrai. C'est un montage, je ne pète jamais. C'est pas un montage, on va l'entendre. C'est Pietre, calme-toi. Non, mais c'est une blague. Et Jeff, un commentaire. Je peux pas mieux faire. Il est temps qu'on change d'équipe. Je ne pète jamais dans cette tonalité, c'est du faux. C'est un domineur. Numéro 4, on reste dans le même univers. On a tous déjà fait un footing et d'un coup, bim, une envie pressante. On a mal au bide et on se dit, ah, il faut que je rentre à la maison parce qu'il y a une grosse commission qui arrive. Donc forcément, quand on est déjà normaux, bah on rentre vite à la maison. Et sinon, bah vous faites comme Pietre, écoutez. L'autre fois, en courant, j'étais courir. Ah oui. Plus de 20 minutes, mon gars, dans la forêt, j'en pouvais plus. Putain, entre deux arbres, à l'ancienne avec les feuilles. Ouais, je suis reparti, mon gars, mais j'ai recouru 4 heures. Avec des feuilles donc. Eh, vous êtes dégueulasse, les gars. Ouais, il est en face de moi. C'est la nature. C'est mon côté van versus wild, ok. Bon, allez, numéro 3. Je m'adresse maintenant à Mika, Jeff et Pietre. Alors, a priori, elle est toujours les mêmes. Il n'aurait pas touché une goutte d'alcool de la soirée. Sauf que, évidemment, il ne faut jamais parler à une caméra en fin de soirée. Je vous laisse regarder la vidéo et à la maison, vous avez le son. Et on va vous les mettre sur notre chaîne YouTube, écoutez bien. Dès ce soir. Oh, pas obligé. Mon dieu. T'as les yeux dans les coins, mon gars. Regarde Mika. Ses yeux, les gars. Mika. Terrible. Mon dieu. C'est chaud, hein. Mika, il mange du rêve. Comment il sourit? Oh
Moi, c'est dur. Les mecs, vous avez tous des sujets de conversation différents. On dirait Patrick Sébastien, la fête de la musique qui continue. Moi, je voudrais quand même juste vous dire que j'ai récupéré tous ces gens le lendemain matin à 10h. Et le repas du lendemain à table, il y avait Mika et Jeff face à face. Il y avait nos amis d'Énergie Belgique qui, à un moment donné, se sont mis à parler à Jeff et qui m'a fait une phase d'endormissement face au mec qui lui parlait. T'es sérieux ? Le mec lui parlait, il a eu le roulement des yeux, il a fait un. Et je lui ai dit, mec, tu t'endors devant un mec mais qui pas du parle. Tout, genre, voilà. C'est honteux, et là, il m'a dit, ah, Macron, t'as pas vu, moi, je suis fatigué. Moi, je veux pas, machin. Ah, c'était très dur. Allez, dernier. Non, numéro 2. Alors, juste avant d'entrer en club, on est passé par une petite cave ça coco, tu le savais pas. Et Loris a décidé donc d'inventer une petite musique assez entraînante, sauf qu'à un moment donné, il a dépassé les limites. Voilà, encore Loris, encore une fois. Mon Dieu. C'est un génie. Il est en route vers le cinéma ou pas? Il y va, il m'attend en fait.